Problème, hein, ouais, eh ben tu sais quoi, écoute, avec ton serveur de merde. Non, moi je suis citoyen, je m'en bats avec. Vas-y, dégage mon frère, tu crois que je suis un bolos ou quoi, sale bouffon, ouais. Moi je suis d'accord. Moi je peux te donner rendez-vous à Versailles, je te donne les 20 balles. Bonsoir. Salut. Est-ce que c'est ici qu'il y a le ticket numéro 47-48, s'il vous plaît? Ouais, je crois que c'est moi. Ouais. Ah bah attends, mais je crois qu'il y avait des gens juste avant moi en fait. Très bien. Ah putain, je suis pas sur mon. Bon, vas-y, c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas grave, prends Bayou, ils sont arrivés ensemble. Prends Bayou. Ouais, je vous écoute Bayou et Wesley. Enchanté. Y'a du monde, salut. Ça passe. J'étais venu déjà il y a peut-être 20 minutes. Très bien. J'ai souhaité me connecter, il y a deux modos, ils sont venus, là, il y avait écrit MD, je crois, devant leur nom. Yes, modérateur, c'est nous. Ouais, et du coup, ils m'ont expliqué, parce que j'arrivais pas à me connecter, parce qu'il y a écrit downloading content, tu vois, ils m'ont dit de dépasser mes caches, avec le PC Game aussi. Oui. Du coup, je l'ai fait, et bah là, ça fait 20 minutes que j'essaie de me connecter, et pareil, ça, ils ont la même chose. Très bien. Je vais être franc avec toi. En général, les personnes qui ont ce souci-là, ils ont un cheat sur leur PC. Si t'es venu foutre la merde sur le serveur, tu passeras pas les mailles du filet, je préfère te le dire. Ah non, pas du tout, mec. Oh putain, toi, c'est le dernier des mecs pour le choix. Ouais, les gars, juste pour être. Faites pas ça pour faire chier les helpers, les gars. Tranquille, dites la vérité, il va vous mettre bien. Ah, mais tu crois que j'ai quel âge? Ouais, mon pote, j'ai 28 ans, j'ai pas que ça à faire de. Non, mais quand tu parles déjà, on dirait que t'as pas 28 ans, je te le dis direct, gros. Fais pas le mec. S'il vous plaît, écoutez, on n'est pas là pour parler d'âge, tu me parles pas d'âge. On est là pour partager le roleplay. Écoute, Bayou, tu vides ton cache, tu désinstalles 5M. Un coup de ces cleaners, tu réinstalles. Et si à ce moment-là, ça marche pas, il faudra trouver une autre alternative. J'espère que t'as même pas la fibre optique, ça, le bâtard. Donc si, s'il te plaît, si tu veux pas que je te mette un clic Discord, tu respectes. Ouais, ça va, gros. Ouais. Je suis trop énervé, ce perso, il est trop énervé. Faut pas que je le joue, en fait. On a essayé de se reconnecter sur le serve, et bah là, c'est pareil, ça fait peut-être, ouais, comme je t'ai dit, 15-20 minutes que ça met dans l'audit content, et ça bouge pas, quoi. Y'a même pas de barre, okay. Moi, je vais... T'es chelou, il te demande de supprimer ton jeu, gros, il a un problème. Je sais pas pourquoi t'ouvres ta gueule. Écoutez... Non, mais t'écoutes... Je parle pas à toi, Non, mais c'est long pour rien, en fait. C'est long, votre cas, là, gros, parce que moi, ça fait au moins 20 minutes d'attendre. Je suis pas sûr, frère. Bon, Bayou, quitte 5M, s'il te plaît. Fais abstraction de ça, on va trouver une solution. Quitte 5M. Maintenant, tu vas dans la racine de ton jeu. Est-ce que tu as la version Rockstar ou la version Steam? J'ai la version Rockstar. Très bien. Donc, tu vas sur ton bureau, tu crées un dossier. Tu l'appelles GTA RP ou 5M, comme tu veux. Peu importe. Tu lui mets un nom à titre. Il va le faire supprimer son jeu. Ok. T'as un SSD, t'as quoi? On règle un souci, niveau 5M, rien de spécial. Il y a le vrai qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas qu'on va sur une autre radio sinon, parce qu'il y a du monde là. C'est normal, vous êtes en besoin d'aide, les gars. On règle le souci, c'est par rapport à 5M. Ouais, bah c'est pas, au pire, je parle avec Bella, je peux passer avec toi ou quoi? En haut. Bah, excuse-moi, j'ai pas envie, on va gêner, il est en train d'aider les autres là, déjà. Vas-y, dis-moi. Ouais, pour les car kills. Je m'en suis pris un sur la 32ème. Ok. Y'a pas moyen d'avoir un système d'auto-revive quand ça arrive? Normalement, il y en a un, mais là, il y a un petit bug avec. Il y en a un normalement. Mais là, on a un petit. Bah, justement, on a un bug avec. Il a rajouté des trucs sur le serveur. Attends, parce que je dois revenir. Il allait expliquer un truc. Attends deux secondes. J'ai trois petits. J'ai 5M, 5L single player et 5M application data. Ok, donc tu vas dans 5M classique. Voilà. C'est bon, j'ai cassé la tête. Tu as bien bin, cache, citizen, crash, log, mode. Ok, très bien. Donc, c'est tous bon, ces fichiers-là, en dessous, normalement, t'as 5M single player. Tous ces fichiers-là, tu les contrôles C. Tu copies tout. C'est important. Ah ouais, parce que même cacher tout. Oui, oui. Il faut vraiment que tu aies tout pour. Oui, il faut que Gutam y aille. Tout réinstaller. Gutam, va distraire l'admin. Dès que t'as contrôle C, tu retournes sur ton bureau. Et là, tu mets tout ce que tu as contrôle C sur le dossier bureau 5M que tu as créé. Excuse-moi, Bella, je peux te parler? On peut être nous? C'est le ensuite, bien joué. Ensuite, c'est bon, il a switché. Quand tu as. Normalement, tu as un fichier qui s'appelle Crash. C'est sérieux, les gens? C'est pas possible de faire un truc comme ça. Je te casse les couilles, frère. Ouais, on vient pour jouer, on vient pas pour. C'est une dinguerie. Bon, ça. Les gars, si je vous aide, soyez un minimum sérieux. Ouais, j'écoute, t'inquiète. Parce que ça se trouve, je vais avoir le même problème. Écoute, Bayou, parce que tu fais trop le mec. Vas-y, poursuis, Helper. Maxou, tu me disais, excuse-moi. T'en es où là, exactement? Donc, tu me disais, je crois qu'il faut que j'aille sur la racine de mon GTA, c'est bien ça? C'est ça. Dans la racine de ton GTA. Tous les fichiers GTA, donc là, tu sélectionnes tout. Genre README, Redistribuable, Upbite. Tout. Ça. Okay, et du coup, c'était quoi ton problème à la base? Ouais, attends, gros, tu déranges là, frère. On est en train de faire une manip. C'est normal, je suis helper, je suis dans le channel besoin d'aide.
Bah ouais, mais gros, on est, c'est un problème commun en fait là. Je sais pas, tu casses les couilles, frère. Attends, ah, toi aussi t'as ça, gros? Ah ouais, ouais, toi aussi, frère. Vous êtes violents, les gars, hein. Faudra se calmer. Comment ça, violent, gros? C'est juste que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, en fait. Justement, les gars, vous êtes dans un channel besoin d'aide. Vous n'êtes pas s'il y a un staff qui vient vous demander si vous avez besoin d'aide. Ouais, mais la gueule du staff, vous venez trop avec 5 ans de retard, gros. On a... C'est bon, il y a un gars qui nous aide déjà. Non, mais déjà, on va se calmer. Et ensuite, si vous avez besoin d'aide, vous... Si, vous faites, si vous êtes déjà en train de régler vos problèmes, vous allez sur un autre channel. Non, mais en fait, on attend pour. Là, on file. C'est juste un petit problème. Après, tu pourras revenir quand on aura besoin de toi, en fait. On va rester quand même là. Parce que nous, moi, j'ai encore un problème. Comme je t'ai dit. Bah non, j'ai un autre problème. Si vous avez pas besoin de mon aide, vous partez. C'est débile, les gars. Moi, je viens de te dire qu'on a besoin de ton aide après, mais pas maintenant. Putain, c'est ouf, quoi. Alors partez. Ouais, je me calme. Mais... Attends, s'il te plaît. Vas-y, poursuis, frère. Écoute, Bellamy. Là, actuellement, en channel vocal, il n'y a que les besoins d'aide qui sont ouverts. Donc, où c'est que tu veux qu'on aille ailleurs, en fait? Explique-moi. Tu vas dans un citoyen. Ça change quoi, s'il te plaît, qu'on soit en besoin d'aide, sachant que le besoin d'aide numéro 3 est vide et qu'on est en train de régler un souci? Parce que nous, les staffs, quand on voit qu'il y a des gens à l'intérieur d'un besoin d'aide, c'est qu'ils ont besoin d'aide. D'accord. Et il faudrait peut-être que ce soit vidé pour les personnes qui ont réellement besoin d'aide de staff. Donc très bien, très bien. Vous avez pas besoin je vois que tu prends ton. C'est très bien, hein, tu prends ton staff, ton rôle de staff à cœur. Maintenant, tu as l'information que nous sommes en train de régler un souci et qu'on va bientôt partir. Où est le souci? Merci, tu as l'information qu'on est en train de le régler, donc tu sais que personne n'a besoin d'aide actuellement. Si, justement, il est en train de me le dire. Donc, les gars, s'il vous plaît, on va pas tergiverser ces 36 ans. Vous allez dans un autre channel si vous avez pas besoin de mon aide. Oh là là, la tête de Wam, mais votre staff, c'est pour ça que vous avez une sale réputation. C'est votre serveur RP en fait. C'est ouf quoi. Vous êtes pas compréhensif et à l'écoute des gens. Non, non, mais tranquille, je vais rester cool. Prenez pas, bon, c'est pas grave. Mais c'est quoi, vas-y, explique-toi bien. Est-ce qu'on te dérange? Regardez par exemple, regardez dans le channel 2 par exemple, il y a 36 000 personnes qui ont pas de. Ouais, et dans le channel 1, il y a combien? Zéro. Les gars, changez de channel si vous avez pas besoin d'aide. Genre, déjà, ça nous. Mais on a besoin d'aide, mais on est. Bah, l'ami, attends deux secondes, je vais faire un truc plus simple parce que j'ai l'impression que t'as du mal à assimiler ce qu'on est en train de te dire. Imagine, IRL, il y a des portes avec des bureaux avec écrit besoin d'aide, ok? Donc tu rentres dans celle-ci, tu demandes aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de régler le souci. Est-ce que tu vas rentrer toutes les deux minutes dans la porte pour voir s'il y a des nouvelles personnes? Alors, les gars, je vais pas attendre. Maxou, bon, en fait, depuis tout à l'heure, Bellam, c'est le ça, problème, c'est que normal, tu déranges. Non, vous comprenez pas. Non, c'est vous qui. On est en train de régler un souci de fichier 5M. Vas-y, tu veux, vas-y, fais-nous ton. Vas-y, ça va aller, ça va aller vite. Parce qu'en fait, il serait déconnecté depuis le début, le helper, là, le vrai. Enfin, je sais pas si c'est la PP ou voilà. Allez, dégage. Allez, va niquer ta race. Non, mais lui, il est arrivé il y a une semaine. Ouais, il se prend pour je sais pas qui. Il se prend pour l'admin, gros. Parce que c'est le cousin de Jonathan, donc directement, c'est plus facile. Enfin, bref. Je sais plus où on en était. Je suis désolé, BU. Ouais, y'a pas de soucis, tranquille. Du coup, j'ai copié les dossiers de GTA. Donc là, c'est là qu'il faut pas que tu fasses une mauvaise manipulation. T'as fait ton contrôle C? J'ai fait mon contrôle C. Ok. Donc là, tu peux. Un très important, vérifie bien que tu la contrôle C. Refais-le une dernière fois. Ouais, parce que je vais faire, parce que j'allais faire de toute façon. Donc maintenant, dès que tu sélectionnes tout, donc attends, je le fais en même temps que toi, tu fais clic droit, donc tu t'assures bien que tu es tout contrôle C, et là tu fais clic droit, supprimer. Et il faut vraiment que tu aies ton contrôle C, hein, c'est très important. T'es sûr? Tu me fais rêver. Non mais oui, tu les as copiés, on s'en bat les couilles. C'est juste que là. Les mais gros, la vitesse de chargement, ça va augmenter ou pas? Parce que moi, je vais le faire là. Juste. Dis-moi, t'as un SSD? Ouais, bah en fait, si t'as pas d'SSD, ça va être un peu long, mais après, t'auras plus de soucis. Ah, mais moi, j'ai un backup du jeu, c'est pas grave, mais. Oui, bah c'est bon alors. Ah, bah vas-y, je le fais, c'est safe. Donc, Bayou, tu me dis quand c'est bon, et assure-toi d'avoir fait ton contrôle C, c'est très important. Donc, tu attends. Maintenant, est-ce que tu sais ouvrir ton CMD pour réinitialiser ton pare-feu? Pour pas qu'en fait, ça bloque au niveau des serveurs. Parce que nous, on a un NAT, un NAT qui est semi-ouvert. Ok, maintenant, je vais t'envoyer une commande. Tu mets juste ça, ça va redémarrer. Donc, tu fais démarrer sur Windows? Ouais, non, tu. CM en bas à gauche. Ouais, en bas à gauche, je le vois, ouais. T'ouvres ton invité de commande, tu vérifies bien que t'es oh bien. Oh non dans ton... Tu vérifies. T'as fait quoi? J'ai copié ton truc, sa mère. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas parce que t'as copié les fichiers du jeu et qu'après t'as copié. Bah, si, du coup, je peux plus faire contrôle. Je peux plus copier. Je peux plus coller les fichiers que tu m'as dit. Attends, tu les avais bien enregistrés? Non mais c'est bon, dans l'invité de commande, tu les auras, y'a pas de soucis. Mais là tu m'as dit de faire CTRL-C sur les fichiers de tout à l'heure. Oui, mais tu peux avoir plusieurs CTRL-C, c'est pas un souci. C'est pas parce que tu copies un truc que tu ne peux pas en copier d'autres. Donc, quand t'as ouvert ton CMD, tu vérifies bien que c'est ton disque local C. C'est user et mon prénom, y'a écrit. Yep. Ouais. Donc là, tu mets l'invité de commande, tout simplement. Ton pare-feu va se réinitialiser. Quand tu vas redémarrer ton PC, je vais te dire comment récupérer les fichiers que t'as copiés. Et tu les mettras dans le fichier racine de ton 5M.
tu relanceras, ça va faire une actualisation de ton profil Rockstar, et tout simplement tu pourras rejoindre notre serveur. Ouais, c'est ça, tu copies ton shutdown là, ouais. Et ça va me rebooter. Tu fais entrer, tu reviens sur Discord. Moi je viens de le faire, ça a marché. Hein. Ok, à tout de suite. A tout de suite. Ah, merci gros. Parce que là j'ai relancé 5M, c'est trop fluide gros. Ça m'a enlevé toutes les conneries. Donc Bayo a bien rentré la commande shutdown, donc là normalement dans 2 secondes, il va rallumer son PC, il sera là. Wesley, t'en es où toi? Alors moi, j'en suis à... j'ai rien fait du tout. Donc alors attends, je sais qu'il faut que j'aille dans l'emplacement du fichier. Oh, j'ai gagné. Ah par contre c'est normal, je viens de gagner 70 gigas là, en espace. Oui, c'est parce qu'en fait tous les fichiers en double que tu rejoins sur les serveurs 5M, t'as beaucoup de gens qui prennent du dev d'autres serveurs et qui les CTRL-C, CTRL-V sur leurs fichiers. Donc c'est normal, t'inquiète pas. Bayo, t'es de retour là, t'as un micro? Ouais. Et alors ça fait quoi? Ok attends Bayo, ne fais rien, on va juste faire en même temps. Ouais, ne fais rien, on va attendre que Wesley soit à la même étape que nous. Et ensuite, parce que je vais pas réexpliquer deux fois, c'est chiant. Ouais normal, pas de soucis. Donc oui, ton GTA. Ton GTA. Ouais, celui-là là. Ouais, voilà, t'as tous les fichiers. Ok, donc là tu CTRL-C tous les fichiers de GTA. Ensuite, dès que t'as tout copié, tu t'assures que t'as tout copié. Ouais. Maintenant, tu supprimes, mais pareil que Bayou, tu le fais plusieurs fois histoire que tu sois sûr. Et là, tu supprimes tout le fichier corrompu de GTA. Tu vas en bas à gauche, tu vois le logo démarré de Windows. Genre, il est là, moi il est en haut à droite. Ouais. Tu cliques et tu tapes CMD et tu fais entrer. Invité de commande dans l'application. Maintenant, je t'envoie une commande, tu la rentres sur CMD, tu fais juste entrer. Ça va rebooter ton PC comme Bayou et tu reviens sur Discord quand c'est bon. Ouais. Mais genre, le truc que j'ai déjà copié. Genre je le colle où là? Non, ça tu le colles pas encore. Stop, s'il vous plaît. Si vous avez rien à faire, si vous avez pas, vous aidez pas les autres, c'est nous qui allons aider les autres, du coup c'est qui a besoin de réel... La tête de ma mère, je sais pas pourquoi tu nous fais chier gros, on est en train de régler les problèmes, et à chaque fois t'es là... Merde, il m'a switch. Ouais, il t'a encore embrouillé pour rien l'admin, ou t'es là Bayou? Ouais, je suis là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Bellamy? Attends. 2 secondes, on finit juste ça, il reste une étape. Donc là, tu fais juste, tu colles, tu fais entrer, et tu reviens sur Discord, et après, on... Allô? Ah. Ah, je crois que là, comme qui dirait qu'on l'a perdu. Ça a pas dû trop bien marcher, là, la manière. Wesley? Il a déco... Un de travers. Et de... Allez, ça dégage. Bon, moi, je crois que, du coup, on va attendre qu'ils reviennent. Ce qui arrive. C'est qui Fred là, les gars? C'est un modérateur staff, support. Ah. Ouais. Ouais, gros, viens pas sur les channels, juste dis salut, parce que là ça fait genre trop espion, frère. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait, Xy? En fait, je t'explique, Fred. Ça fait depuis un peu tout pervers de venir comme ça sans rien dire en fait. Ouais. Moi je suis un site. Ouais, juste annonce-toi en fait, Fred. Annonce-toi, gros. C'est la famille ici. Non, c'est pas... Enfin, moi on vient et on me dit que vous êtes en train de faire des bails chelous, alors. Y a pas de bails chelous, je t'explique tout simplement, Fred. Moi je suis un citoyen de la ville. Je suis Andrew Bailey sur ça. Le truc, c'est que là, moi je l'ai pas RP sur Discord, donc je sais pas quitter, et donc bon. Parce que je l'ai pas mis. Attends, s'il te plaît, Fredou. Moi, je vois des personnes en besoin d'aide, je vois qu'il y a aucun staff, désolé du terme, hein, tu m'en excuseras, qui se bouge les rotules. Du coup, moi, je viens les aider, je règle un souci. T'as l'autre attardé Bellamy qui vient et qui commence à faire « Ouais, allez ailleurs si vous êtes en train, si vous avez pas de problème. » Écoute, je dis « Maintenant, tu fermes ta gueule. » Tu vois? Ouais, oui. Et tu dégages, tu fous le camp. Donc là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend le seum. Ouais, après, il a fait n'importe quoi. Ouais. On est d'accord, Bayou. On est d'accord, Bayou. Attends, mais Maxou, t'es modérateur ou pas? Parce que lui, il me dit que t'es pas modérateur, je comprends plus rien là. Je suis citoyen bienveillant de la ville. Parce que lui, moi, il m'a aidé, ça a marché, Bayou. Hein. Je sais pas, t'as fait la mauvaise manie, pro. Moi aussi. Mais en fait, vous essayez de régler quoi là, juste simple question? Un problème de chargement. Ouais, sur serve là, ça charge pas, les props. Mais en fait, c'est 5M qui a un problème. Non, c'est ton serve, gros. C'est ton serve. Freddy, on est en train de régler un souci. Appelle-moi Fred, point, basta, ça vient. Freddy. Oh là, y'a des histoires entre le stuff. Mais attends, Maxou, parce que là, je suis au milieu de ta procédure là. Tu m'as fait supprimer les fichiers, donc j'aimerais finir quand même. Parce que là, sinon, tu m'as niqué tout mon jeu en fait. Alors non, là, on attend Wesley. Ok, d'accord. Mais moi par contre, non mais attends Bayo, ça c'est pas contre toi. Mais là, le staff est en train de me casser les couilles, ils veulent régler les soucis, moi je te les laisse. Tu vas régler leurs soucis avec toi, aucun souci. Moi je passe la main. Non mais là, je vais partir, ils veulent régler le souci, je vous les donne, pas de soucis hein. Bellamy tu les prends, Fred tu les prends, tu règles leurs soucis, moi je me casse. C'est notre problème. Ouais, et ben tu sais quoi, écoute avec ton serveur de merde. Non, moi je suis citoyen, je m'en bats les.
Voilà, ça c'est réglé. Ah mais voilà, vous l'avez offensé, les gars. Il est dénoncé. Il nous a aidé, gros. Non, mais débanne-le. Il y a des gens qui attendent la suite, en fait, du processus, frère. Non, mais on a besoin d'aide. Non, non, il n'y a pas besoin d'aide. Comme par hasard, ça y est, il y a 10 minutes, je viens de te demander. Tu me prends pour un con, donc on va pas tergiverser 36 ans. Eh, gros, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on est là pour. Ouais, mais tu regardes mon live, il n'y a pas de problème. Mais depuis tout à l'heure, on demande des infos, gros. Et personne ne vient. Ça faisait au moins une demi-heure qu'on était là. Heureusement qu'on les a aidés, les deux, là. Quand je suis venu, je vous ai demandé qu'il y avait besoin d'aide et toi tu me dis non, il n'y a pas besoin d'aide, je suis en train de régler le problème. Bah attends, deux secondes, je vais prendre ma voix RP parce que tu m'as déjà saoulé. Ouais, bon écoute-moi, Bella, on a pris des mauvaises bases, toi et moi. Le souci c'est que Bayou, il doit continuer absolument son processus de réinstallation du jeu. Ouais, t'es ouf, que là ils m'ont mis dans la merde en fait. Et il faut que tu débannes notre ami là. Non, ton ami, on va pas le débannir pour le moment. Enfin, mais attendez. C'est Fred qui va décider ça. Si Bayou il a besoin d'aide pour le reste de son installation, on va l'aider. C'est pas j'espère compliqué. J'espère parce que sinon là je pourrais plus jouer en fait. Non, mais c'est pas compliqué d'installer 5M, hein, sur si t'as déjà non, utilisé un ordinateur en 2 minutes. J'ai pas compris en fait, c'est qu'il m'a fait supprimer des fichiers. Non, de GTA, mais du jeu quoi, GTA. Mais pourquoi tu mélanges oh, putain. Mais c'est pas moi mon pote, moi je viens en aide. Il y a un mec qui vient. Moi je sais pas, tu vois, je connais pas, je sais pas qui est modo, qui est pas modo. Il me dit je vais t'aider, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai pensé c'était un modo, donc je fais ce qu'il me dit. Je sais pas, bah là, c'est pas grave. C'est du foutage de gueule, mec, je suis en train bon, de rappelle le live. Non, non, t'en fais pas, on va récupérer ça, Bayou. Débannissez l'autre. Bon, les gars, non, on débanne pas. Celui-là, je le banne même sur le serveur parce que bon, ah ouais le gars, ouais, gros, il vous fait supprimer. Ah, il vous fait supprimer des dossiers de 5M, l'autre, il vous fait supprimer des dossiers de GTA. Bah, moi, j'ai la fibre, à vrai dire, donc j'aurais téléchargé, ça marche. J'ai pas fait la bonne manip. Hein, non, il n'y a pas de bonne manip à respecter là. Ouais, mais il n'y a pas de supprimer quoi que ce soit, en fait. Je le gars, je sais pas qu'est-ce qu'il vous a raconté là. Non, moi, je fais du RP sur ce serve régulièrement et c'est vrai que j'ai. Heureusement, de toute façon, ma corbeille, je l'ai pas vidée, donc je peux restaurer les fichiers, tu vois. Voilà, donc restaurez déjà vos fichiers, remettez-les. Je te conseille surtout de vider ta corbeille, mec. Ah non, pas du tout. Je vide ou je restaure? Non, vous videz, parce que le problème, c'est que si tu restaures, ça va être des fichiers corrompus. Ouais, mais moi j'ai pas la fibre, moi. Ah bah, pas la fibre. Ah bah, en même temps, si t'es pauvre, mec, t'habites dans la campagne, on peut rien faire. Hein. En fait, Fred, c'est un gros troll, ça rase. Je suis en train de regarder son live, les gens, ils sont PTDR en mode full mec. Ils se foutent vraiment de notre gueule, là. C'est trop marrant. Non, on essaie d'être sérieux et d'aider à trouver une solution pour Bayou. C'est bien, vous essayez de trouver des solutions. Pourtant, là, il y a juste plein de gens qui sont en train de. On a tous les deux staff qui regardent. Son live. C'est full troll son truc. Non, mais c'est pas full troll, non. Attendez, je vais pas niquer là. Oui, tu te fais baiser, c'est full troll. Et là, on va. Mais non, je t'envoie son live. Ouais, mais moi je suis en train de regarder, c'est trop bien. Viens sur mon live, c'est pas grave. Viens, on va t'aider à faire la suite. On va t'aider, on va rectifier le tir. Parce qu'ils pensent qu'on est des trolls alors qu'on est grave sérieux. Mais je suis un streamer GTA RP, moi. C'est un mec à balance, quoi. Ils se foutent tous de notre gueule, c'est abusé. Avec le non, il y a juste, ils ont juste mis ça. Oh. Attends, regarde la caméra. Et en combo. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, je mettrai en combo ça. Guignol qui est bâtard. Et je mettrai en combo. MDR, et GG, voilà, GG. C'était marrant. Ça va, ils le prennent bien, les gars. On peut applaudir le staff quand même. Ouais, c'est bien. Mabinia, parce qu'ils sont bons délire, ça va. Ils le prennent ouais, pas au mal. Au début, ils savent que c'est une blague. J'ai failli te foutre un putain de déconnexion. Je me suis dit, je viens de passer ça. Non, mais staff, tu sais, j'ai l'habitude, hein, t'aurais pu, en gros. Maintenant, je suis ban de partout. Mais y a quelqu'un qui peut m'aider du coup, pas les gars. Bah, dois-je bi, je vais essayer de le connecter. Attends, je vais l'appeler sur Twitter pour voir si. Bah, viens sur mon live, Bayou. Je vais te mettre en connexion avec le gars qu'ils ont ban. Ils veulent pas le déban. Ah, je peux le déban, mais bon, moi je veux juste que ça vienne. Ça soit sérieux. Donc là, en fait, vous m'avez fait supprimer des fichiers pour R. Non, t'inquiète, t'as gagné de l'espace. Comment ça, t'inquiète? Pourquoi ils font ça en fait? Je comprends pas là. Je sais pas, ils ont des délires spéciaux, hein. Non, mais attends, on vient. Ouais, c'est dingue. Ah, il est là, serveur, bon. Là, wesh. Allô? Pourquoi tu nous as fait supprimer des fichiers là? T'as gagné de l'espace. Comment ça, j'ai gagné de l'espace? Écoute, il y a Valorant qui sort demain, mec. Et? Bah, pour télécharger le jeu, je crois qu'il pèse lourd en plus. Je m'en fous, moi, de Valorant. Pourquoi tu me parles de Valorant? Moi, écoute, je te dis un truc. Je vais être clair et net. L'âge d'or du RP, c'était 2016. 2016-2017, grand max. Actuellement, tu ne trouveras pas de source de divertissement sur des scènes, sur n'importe quel serveur. C'est pour ton bien, mec. Bon, en fait, il voulait une solution. Il y a pas moyen de récupérer un truc. Tu veux récupérer le cashback? Bah ouais, mon pote, wesh, c'est pas à toi de décider si je vais jouer ou pas, mon frère. Wesh, tu commences à me casser les couilles, frère. Moi, je te le dis, tu joueras pas. Si je veux, tu joues pas. Non, Maxou, attends. Si je veux, je t'aide. Moi, je t'aide. Y a pas de souci. Mais commence pas à me faire le garçon de cité. Comment ça, c'est moi. Là, c'est moi. J'ai entre les mains
ta semaine de confinement, ta dernière semaine de confinement. Soit tu vas être... soit tu vas te faire chier, je te le dis mon malade, gars. Quoi, tu... mais peut-être t'es malade toi en fait. Moi j'étais sérieux là frère, tu me dis de supprimer des fichiers là, ma femme. Excuse-toi d'abord et ensuite je t'aide. Ah parce que c'est à moi de m'excuser en plus alors que tu me fais supprimer des fichiers alors j'avais besoin d'aide. Mais j'ai pris de mon temps mon coco. T'es pas sérieux toi frère, et de ma mère wesh, mais je suis où là frère? Je vais t'aider, tu t'excuses juste parce que là bon. Tu m'as trop mal parlé. Bon c'est pas grave, Biou, je t'envoie un disque dur, tu m'envoies ton adresse en privé, je suis streamer gros, bon. J'ai de l'argent. Écoute Biou, hey, gros, tu viens du 7-8? Ouais, vraiment PayPal. Ce qu'on va faire, ça va être simple. Tu veux récupérer 5M? Dis-moi, vas-y, parle là. Oui, la manip, il veut. On se donne rendez-vous aux Yvelines, tu me passes 20 balles, gros. Vas-y, dégage, mon frère, tu crois que je suis un bolos ou quoi, ça le bouffon, là. Moi, je suis d'accord. Moi, je peux te donner rendez-vous à Versailles, je te donne les 20 balles, s'il te plaît. Ah, vas-y, c'est quoi, niquez-vous, vous et votre serveur, frère, voilà. malade, vous êtes ma mère. Mais non, il pensait pas ce qu'il disait. Maxou, fais ça sur internet à distance avec Team. Allô, fais enculé. Ah bah. Ah. Voilà, je crois qu'il l'a mal pris, là.